Alors ta télé, t'es content? Ah, c'est pas pour tout de suite, hein. J'ai voulu commander chez Electrapo une Kenwood. Oui, c'est japonais. 270 euros, 130 cm. Le top. Ah oui, en effet, c'est pas cher. Et alors la réception, ça s'est bien passé? Ils ont un service à la carte. 29 euros en bas de chez toi. T'as le colis, tu récupères le colis en bas de chez toi à 29 euros. Et pour 20 euros de plus, ils te la déposent, ils te déposent ton colis dans la pièce de ton choix. Ah ça c'est sympa, la pièce de ton choix, exactement. Où tu veux, tu peux la balader dans n'importe quelle pièce. Ah non, là ça me convient pas. Ouais, regardons dans la salle de bain. Et après, c'est bon, posez le colis. Mais attention, une fois le colis posé, ils ne te la déballent pas. Bon, j'ai essayé de leur demander de me la déballer pour la poser sur mon meuble. Rien à faire. Ils m'ont dit non, c'est pas dans le contrat. J'avais beau les appâter avec des gâteaux. Rien n'y fait. Ils ont dit on n'est pas agréé, je sais pas quoi. Ils répétaient, c'est pas dans le contrat. Ah, c'est des machines, les mecs. Des vrais robots. Mais alors comment t'as fait pour la porter sur ton meuble, ta télé? Oh, je suis allé demander à mon voisin. Oui, ça sert à quelque chose, les voisins. Et alors? L'image de ta télé, elle est bonne? Pas réussi à la brancher, car la prise, elle n'était pas dans la norme européenne. Ouais, c'est japonais, ces trucs-là. Mais je m'en fous, j'ai appelé le service client. Ouais, j'y ai droit, j'ai payé ma télé. C'est un 0892. 34 centimes d'euros la minute. Déjà 10 minutes d'attente. On m'a proposé un adaptateur à 80 euros, qu'ils n'ont même pas en stock, avant 3 mois. Ou alors refaire mon installation électrique. Ou alors le mieux, ils m'ont dit que c'était de m'installer au Japon. Bon, du coup, j'aurais peut-être dû commander chez Darty.